sait qu'on a à peu près un effort financier d'1 milliard d'euros à trouver pour pouvoir construire le nouvel hôpital Île de Nantes. En fonds propres, en apport, comme on pourrait dire, on a 324 millions d'euros à trouver. On sait que cet effort financier sera absolument désastreux sur les agents et même sur le fonctionnement de l'hôpital. À l'heure actuelle, on pense que l'aide que nous a promis l'État pour financer ce futur hôpital est insuffisante au regard de nos capacités à faire des économies. Donc vous dites aujourd'hui, l'hôpital n'a pas les moyens de financer ce transfert et ce nouvel hôpital. Dans l'état actuel de ce que l'on connaît sur notre équilibre financier et sur l'argent qu'on doit trouver, effectivement, c'est pratiquement impossible de pouvoir imposer de tels efforts à la communauté hospitalière du CHU de Nantes.